Mortal Kombat 11. Oui, il continue son petit bonhomme de chemin. Et croyez-moi, tout se passe bien pour lui, puisqu'il approche doucement mais sûrement, ce 11e épisode, des 10 millions de ventes. C'est quand même assez stratosphérique. Eh bien, histoire de fêter tout cela, une édition Ultimate débarquera le 17 novembre prochain sur Machine Actuelle et Next Gen. Mais, il y aura des choses à l'intérieur qui devraient faire bondir et rugir de plaisir certains fans, puisque dans le Combat Pack 2, qui sera intégré dans ce Mortal Kombat 11 Ultimate, il y aura trois nouveaux combattants, Rain, Minina et Rambo. C'était pas sa guerre, mais en tout cas, il vient en donner une et tapoter des cucus. Voilà, donc ça fera un total de 37 personnages quand même, c'est extrêmement consistant. Voilà, il y aura aussi, et ça c'est une très bonne nouvelle, une mise à jour technique next-gen offerte, avec de la 4K en résolution dynamique, des temps de chargement accélérés grâce au SSD, et, vous le voyez, du crossplay et cross-gen. Ça fait plaisir. Mais très globalement, hein, franchement, les créateurs de Mortal Kombat, le jeu est peut-être super bourrin, et à la fois c'est du 1 milliardième degré, mais ils sont très attentifs à leurs fans, et là franchement, ce retour de Rambo, je ne m'y attendais pas. Cela dit, vous noterez que dans le trailer, ils se déglinguent tous les uns les autres, et lui, on l'a pas vu en confrontation directe avec un autre personnage. Quelles seront ses fatalités, des flèches explosives ou pas? Eh bien, écoutez, ce sera à suivre, réponse, le 17 novembre prochain.